La petite église de la paroisse de Saint-Vincent de Cosse a presque 1000 ans. C'est l'une des plus vieilles de Dordogne. Abandonnée depuis 1870, elle vient de bénéficier d'une cure de jouvence. On voit de chaque côté de la fenêtre, il y a deux personnages qui prient. L'église recèle un véritable trésor, des fresques murales en couches superposées datant de différentes périodes, du Moyen Âge à nos jours. Une campagne de peinture du XVIe siècle, a priori, qui représente donc le Christ en majesté, avec ses yeux perçants, qui vous accrochent le regard d'ailleurs en arrivant. Et il est entouré, ce que l'on peut percevoir, des quatre évangélistes. Un ensemble de peintures, pour certaines remontant à l'époque médiévale, mais toutes très dégradées. La raison principale, l'humidité. Pour que les gens puissent marcher correctement, ils avaient coulé une dalle. Mais ça fait que l'humidité s'est bloquée en dessous et est remontée dans les murs et nous a détruit sur 1m20, 1m50, toutes les peintures. Voilà. Et c'est là qu'on avait des algues vertes partout. Une première campagne de travaux vient d'avoir lieu fin 2017 pour un coût de 108 000 euros. Mais la restauration des peintures est loin d'être terminée. Il faut attendre que ça sèche un peu avant de pouvoir commencer les travaux. Mais je pense que nous avons aujourd'hui de quoi lancer un appel aux dons par l'association pour cette restauration dont on voit déjà qu'elle va nous amener des choses vraiment extraordinaires. Un jour, c'est sûr, l'église de Saint-Vincent de Cosse pourra à nouveau se visiter, mais déjà la cloche sonne dans le clocher consolidé.